Et voilà, ça y est, on se retrouve enfin pour le dernier Grand Prix, qui va être une vidéo bien plus longue, parce que déjà les courses sont vachement plus longues, puis il y a peut-être même moyen que je doive les refaire plusieurs fois, parce qu'elles sont franchement hardcore. Et en plus, à la fin, je vous... petit bonus... ouais... je vous montrerai les distances de chaque circuit. Pour avoir des éléments de comparaison, en fait. Voilà, les textures sont vraiment immondes. Ça annule tout ce que je disais dans la vidéo précédente. Là, les textures sont dégueulasses. Mais en même temps, ce circuit a une quantité de textures absolument énorme. Il y en a vraiment beaucoup. T'es sérieux? J'aurais pas dû l'utiliser maintenant, j'ai déconné. J'aurais vraiment pas dû l'utiliser maintenant. Parce que là, il va se finir. Voilà. Donc, j'aurais dû utiliser genre... ouais, bon, ça sert en fait. Une banane, trop bien. Ah, j'ai touché quelqu'un. J'ai touché Bowser. Ouais, j'ai touché Bowser. Il est passé de deuxième à troisième. Ah! Il a carrément disparu du classement des 4 premiers. Quoi. Quelqu'un derrière moi, je crois. Ouais. Mais c'est un fantôme! C'est un plombier! Non! C'est bon. Hop. Ouais, petit raccourci, la base. Tout le monde connaît. Que tout le monde utilise, mais qu'il faut quand même faire un petit peu gaffe. Hein, parce qu'on le prend trop tôt. Et ben on se rétame en fait. Parce qu'on n'a pas la... on n'a pas la vitesse suffisante. Sauf que quand on se rétame, on passe en mode ah, tourner boulet, là je sais pas quoi. Bah, voilà. Et on passe en mode tourner boulet. Il faut faire un tout petit toute petite marche arrière et tout. Enfin, c'est. Ah, à chaque fois qu'il m'approche, il se bouffe un truc genre dans la seconde qui suit, quoi. C'est beaucoup trop drôle. Mais genre beaucoup trop, en fait. Ça en devient triste. Non, je déconne, c'est drôle. Ah, parfait. Je peux le prendre. Oui, il passe. Ouh, j'ai eu un gros coup de flip. Ouais, je touchais quelqu'un. Peut-être même deux personnes, puisqu'il a fait un. Genre, il a merdé, je sais pas quoi. Ce son était ridicule, je le sais. Ne vous en faites pas. Je suis au courant. Je suis un professionnel. Ouais, les ombres aussi, elles sont pas si dégueu que ça. Elles sont pas si dégueu que ça. Genre, j'ai également essayé Super Mario 64. Hier, ben, l'ombre, c'est un rond, c'est un vieux rond en dessous de lui, quoi. Et c'est pareil pour tout, hein. Alors que là, l'ombre, ben, alors certes, elle n'a rien de dynamique ni rien, elle change pas en fonction de ta position par rapport au soleil, je sais pas quoi, mais c'est ton ombre. Là, ça reste la bonne forme. Tu vois ce que je veux dire? Merde, c'est pas grave. Non, où ça passe? Vous voyez ce que je veux dire quand je dis on peut vite se merder avec? C'était ça. Tu payes tout combien de temps vont durer ces vidéos? En fait. C'est pas grave. J'ai toujours eu l'impression que les vidéos là, bah, elles allaient vachement plus vite en fait. Je suis pas sûr. Genre qu'ils roulaient plus vite. Hein. Mais je suis pas sûr qu'ils roulent plus vite en fait. Je sais pas, c'est peut-être juste l'effet de caméra, je sais pas. Ah si, ils roulent plus vite quand même. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Bref. Là, Yoshi va aller. Ce circuit réellement satanique, parce que c'est un labyrinthe et on ne sait pas où on est placé dans le classement. Ouais, ça a longtemps été mon niveau préféré. Et si je me souviens bien,
normalement le meilleur passage. C'est ça. Ça, c'est pas trop mieux, fait ça. On évite. C'est merde. Là, on va là-bas. Et boum. Voilà. Alors par contre, ce genre de bonus, comme les carapaces vertes, qui sont très utiles en tant que rebond, là ne servent pratiquement plus à rien. Bon, on s'en a rien, on sait jamais. Oui, très bon, je vais toucher quelqu'un. Donc... normalement, je suis premier. Ouais. Vas-y, vas-y, passe. Ah, le PD! Ah, la carapace rouge de Satan. Bon. Voilà. Ah, merde, j'ai encore tapé dans le micro, je suis désolé. Ça fait du bruit, je suis désolé. Mais j'ai pas de mousse dessus aussi, donc n'importe quel effleurement, n'importe quel petit souffle casse les couilles, en fait. J'ai pas encore assez de YouTube money pour investir dans ce genre d'accessoires de luxe. Putain de merde. Dernier tour. Ça va, j'ai quand même une avance correcte. Ça fait plaisir, ça. Je les aurais préférés en rouge, mais bon, en vert, elles sont cool quand même. J'y crois pas, je les ai ratées. Je pense là, les toucher. Putain, la manette de 360 est tellement meilleure, celle de 64. Au niveau du joystick, notamment. Ça, c'était bien joué, Mario. Ça, c'était bien joué. Oh, Mario, elle a été bon, là, sur le coup. Bonk. Boum! Niveau Yoshi, c'est qui gagne? C'est Yoshi, normal, la base. Bam, 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 bam. J'aime beaucoup, alors qu'ils ont pas fini, en fait, le jeu décide déjà qui a fini. Alors, je ne sais pas s'il prend en compte les retournements de derrière les fagots. Ou s'il se dit juste, ok, là, quand le joueur arrive, ils sont dans cette position-là, je vais les faire finir dans cette position-là. Et je vais mettre le temps adéquat. Ou pas, je sais pas. Ah, je déteste ce circuit. Je déteste profondément ce circuit. Genre profondément. Il est super dur. Putain! J'ai survécu de manière complètement inopinée. Ce niveau est satanique. C'est les fantômes. En plus, je suis un fantôme. Ça fait peur. Et j'ai rien volé du tout, tu te fous de ma gueule. Genre à ce moment-là, sur le circuit, personne n'avait rien, quoi. Oh, ça veut rien dire cette phrase. Personne n'avait quoi que ce soit, plutôt. J'adore le jeu. Putain de fantôme qui passe devant l'écran, tu vois plus rien. Il rentre bien en plus en 16/9 ou je sais pas quoi. 16/9 en HD et tout ça, il rentre franchement bien. Ah puis là on n'a pas le bug du ciel vu que tout le ciel est noir en fait. Non j'y crois pas, je l'ai raté, je pensais que ça allait toucher, en plus je me bouffe le mur, n'importe quoi, et je n'ai aucun bonus.
Dégagement, oh, t'es lent. Putain, il est lent, j'aurais qu'il est lent. Ouf. On peut voir un exemple que Luigi ne sait pas utiliser ses bonus, en fait. Bonk, bande de cons. C'est une mauvaise idée. Ça passe. Pourquoi Luigi est bien plus drôle que Mario? Parce qu'il a une voix vachement plus aiguë. Mario il est en mode Mamma mia! Alors que Luigi en plus un Mamma mia! Et c'est un énorme encul. Moi j'aime. Je veux dire, à ce moment-là de la course, me faire un coup comme ça. Attends, je vais arriver quatrième, je crois pas. Je vais arriver quatrième, je le sens voir. Oh putain, s'il vous plaît, pas cinquième. Non, ok, bon, deuxième, je tolère. En plus, j'ai un petit boost de la fin, ça va. Deuxième, ça va. Deuxième, ça va. J'accepte. Putain, il s'était pris une avance de beau gosse, l'enculé. Six secondes, c'est pas possible. Il y a un problème, il a pas pu prendre 6 secondes aussi rapidement. Comme c'est serré entre Luigi et Wham! Sera-ce la première. Le premier. Grand Prix où je n'arriverai pas. Sur le podium? Premier sur le podium? La fameuse Rainbow Road. J'ai tenté, j'y arrive plus. C'est pas grave. La fameuse Rainbow Road. Qui s'affiche tellement en direct. Alors ça je le savais, mais wow, sur 64 ça se voit pas du tout autant. Par contre merci le 1080p pour le... Non mais comment ça? Mais c'est pas possible. Je viens de me prendre ma propre carapace rouge. Celle qui a tête chercheuse pour tes ennemis. Est-ce que ça veut dire que je suis mon propre ennemi? Est-ce une réflexion philosophique sur le monde? Non, c'est Mario Kart 64, le meilleur. Ta gueule si tu penses que c'est double dash. Va mourir si tu penses que c'est celui sur Wii. Je me prononce pas encore sur l'épisode Wii U, j'y ai jamais joué. Mais j'en ai des bons retours quand même. Pas en tant que le meilleur, quand même, pas d'accord. Donc, je disais... Oui, merci, le 1080 pour les, bah, toutes les étoiles là qui forment le mur. Parce que putain, sinon c'est un bordel. Ça... Je sais pas comment on dit en français. Ça shimmer. Shimmer. Shimmering. Ça scintille. Ouais, on peut dire ça, je pense. Ça scintille de partout. Sur l'original. Alors que là, bien beau, net, propre, nickel. Salut, ça va, la pêche est haute. Elles vont être faciles à encoder en plus ces vidéos, la vache. C'est que des grands appâts de couleurs, il y a du noir partout. En fait. Alors. Il faut que j'arrive devant Luigi en fait. Je m'en fous de premier, deuxième, troisième ou quatrième. Il faut que j'arrive devant Luigi, point. Mais dégage, Luigi, putain, mais c'est pas possible, ça matez-moi ça, quoi. D'où il est encore aussi proche de moi? D'où Mario m'a rattrapé? Ouais, j'ai dû freiner, ouais. Alors, non, c'est bon. Oh non, j'y crois pas! Alors là, on est tous entièrement d'accord, il m'était absolument impossible de l'éviter. Fort bien, nous sommes donc tous d'accord là-dessus. Je veux quand même préciser pourquoi. Déjà parce que je l'ai absolument pas vu venir et c'était impossible de le voir venir. Il était en dehors de la zone d'affichage. Et deuxièmement, eh bien j'étais légèrement au-dessus du sol. Comment vous voulez tourner? Tourner légèrement au-dessus du sol. Toi, tu vas te bouffer ça. Allez, sans que je la lance. Merci. Boum, cadeau. Parce qu'en fait, dans ce niveau-là, lancer c'est super difficile parce que les carapaces ont besoin d'un peu d'espace au début. Oh, ça passe. Boum! Dans ton cul, plombier, c'est un fou.
Pour le moment, tout se passe bien. Yeah. J'ai une avance tout à fait correcte. Oui, hein, c'est de très loin le niveau le plus long du jeu. Encore une fois, on verra ça dans les... à la fin. Dans les données, parce qu'apparemment il y a la distance des niveaux qui est donnée. Je m'en souvenais pas. Et donc on va pouvoir voir, comparer un petit peu la distance de ces niveaux. Il n'y a pas de temps, c'est dommage. C'est parce que c'est uniquement quand on le fait en time trial que les temps sont enregistrés et pas en grand prix comme je suis en train de le faire en ce moment. C'est un petit peu dommage, mais bon. Soyons honnêtes, franchement, c'est pas trop grave. J'aime bien en plus cette vue-là parce qu'on voit un peu mieux derrière nous. Donc la caméra se recule. Et malgré tout ce que je fous dans la gueule à Mario, Luigi arrive pas à le dépasser et ça pour moi c'est très très bien. Ah non, c'est Luigi que je voulais défoncer, c'est pas grave. Oh oui! Alors oui, là, elle est un peu droite parce que, comme vous voyez, on décolle en 150cc, on décolle. Alors, si vous n'êtes pas droit, il y a moyen de retomber dans le vide. Ouais, c'est pas cool. Allez, dernier tour du dernier circuit du dernier championnat. On est un petit peu en mode la finale. Ah, le pec. J'ai pas compris ce qui vient de lui arriver, mais il s'est bouffé un truc. C'est peut-être par réflexe, en fait, peut-être qu'il s'est rien bouffé. C'est juste qu'à chaque fois qu'il arrive derrière moi, il se bouffe un truc, donc là il s'est dit, ah, je vais réagir avant qu'il le fasse. Boum. Oh, j'ai touché. Je sais pas qui j'ai touché, mais j'ai touché. Parce que j'ai entendu Wario après, donc j'entendais peut-être en dessous. Et j'ai vu Wario en dessous. Elle est longue cette course, putain. Ce champ qui est pas très dangereux, mais qui peut être ultra pète-couille. Je crois que je possède un petit peu l'arsenal parfait d'une finale. Ça me va quand même. Si quelqu'un me double, je le défonce. Si y en a un deuxième qui vient, je peux lui... Putain, il me rattrape. Boum. Allez. C'est Luigi. Oui. 6 minutes 52.03. Ah, elle est longue cette course. Ah. Ah, ça fait plaisir. Cette victoire, pas totale et absolue, mais quand même, voilà. C'est quand même de la belle victoire là, que je viens de me faire. Et donc encore une fois, le final. Nanana, qui ne change jamais. Hein, je veux dire, c'est toujours le même château, le même truc. C'est un peu dommage. On aurait pu changer un petit peu. Tout petit peu en fonction de la coupe. Ou je sais pas, changer la coupe en fait, par exemple. Ouais, changer le podium, changer la coupe. Il y a des petites modifications comme ça qui sont faisables sans. Ni très long à faire, ni surcharger la cartouche de la 64.
Ouais. Ah, c'est bon. On connaît, hein, soyons tout à fait honnêtes. Welcome to Mario Kart. Oh, j'ai un... Ah, j'avais oublié qu'il y avait ça. Oh, ça fait plaisir. Shigeru Miyamoto, quoi. Cet homme qui a tout fait chez Nintendo à l'époque. Sans cet homme, Nintendo n'aurait rien fait. À cette époque, c'était un truc de fou. Il était partout. Partout. J'ai eu un peu peur, je me suis dit aussi 3, c'est quand même très peu. Enfin, ils sont 8, hein, c'est pas non plus... Ah non, c'est le démo séquence, d'accord. Séquence. Tadashi Sugiyama. C'est le directeur. Il est quand même beau ce jeu, franchement il est quand même beau. Bon, il est sublimé par le fait que ce soit simulateur et encore une fois tout ce que j'ai... tous les réglages que j'y ai mis, mais il est quand même beau. Charles Martinet! Charles Martinet, c'est la voix de Mario. Entre autres, je sais qu'il fait d'autres voix, mais je sais plus lesquelles. C'est un Suisse, si je me souviens bien. Ou Americano-Suisse. Bah, il parle français en tout cas. Avec un accent bizarre. Mais il parle français. Oh, le modèle 3D de Donkey Kong qui est donné par Rare. Rare, cette boîte qui est désormais morte. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Mon dieu, ce DM qui est pas centré. Hey, you very good. See you next time. Eh bien, oui. Comment je sors de là? Je peux pas! Je suis condamné! Je peux pas sortir de ce truc-là. D'accord. Bon bah tant pis, dans ce cas-là. Pas les bonus parce que enfin, vous n'aurez pas la distance des circuits parce qu'honnêtement faudrait que je fasse du montage et je n'ai pas envie de faire du montage donc oui parce que j'ai pas de logiciel de montage en fait mais voilà donc c'était Mario Kart 64 en entier de A à Z à peu près et voilà. Bah écoute, c'était cool. Moi, je pense que je vais peut-être me faire d'autres vidéos sur de Nintendo 64. Ou d'autres jeux, d'ailleurs. Je suis pas mal oldies en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc, peut-être quelques vidéos sur Super Mario 64. Mais sans... pas le jeu entier. Hein. Pas le jeu entier. Par contre, je compte me faire Ocarina of Time, parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais joué à Ocarina of Time et donc je compte me le faire en entier. Or si je me le fais en entier, ben
je vais le filmer. Alors moi ça me coûte rien. J'enregistrerai peut-être pas à chaque fois ma voix, ou... je sais pas encore ça. Mais bon, du moins la première fois oui. Hein, première fois oui, parce que voilà, c'est la classe. Et ben voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de passer un bon moment, un bon, bonnes vacances quand même, je suppose. De bien réfléchir à votre avenir. De faire les bonnes décisions et tout ça. Allez, salut !